croûteux, quel nom sympathique. Oui, je ne trouve pas ça très appétissant. Le patron a sûrement la gale. Mais le personnel de l'auberge du Croûteux va être heureux de vous proposer son menu gastronomique. Saucisse et gougères en attendant la soupe. Ils sentent fort, pourquoi mentir? Mais ces pauvres gens ont la bonté inscrite sur leur front. Confessez-moi, mon père. Je ne peux pas vous confesser là, comme ça. Il me faut un confessionnal avec une grille. Une grille? Mais remontez la grille à châtaigne. Un Gaspard crevé dans la vinasse, c'est pas bon signe, Saint-Martin. C'est un petit vin de pays, mais il a du caractère. Un marchand de fromage avec son cheval s'était arrêté chez nous. Oh, il a un goût de rance. On l'a mis dans le jardin, sous le pommier. Il y a comme des poils dedans. Et dès le troisième, ils ont beaucoup moins souffert. C'est une drôle d'idée d'avoir ouvert une auberge dans un endroit aussi désolé. Parce qu'on aime la tranquillité. Attendez. Dis-moi la recette, là, pour ma mère. Il y a quoi là-dedans? Racle le fond, tu vas avoir une surprise. Vous êtes en train de me dire que... On veut la soupe. Vous avez tué vos clients? C'est tellement tranquille. Mais combien? On a arrêté de les compter. Pas plus de 10 quand même. Vous avez encore de la marge. On veut la soupe. Mais ça arrive. 20? On va tous les liquider. Mais on a toujours fait que du voyageur isolé. On n'a jamais fait de groupe. Oh merde, double, c'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Ah, attention! Ah oui, pardon. 102? On est débordés ce soir. Vous les avez mis où, les autres? On les a donnés à manger aux cochons. Vous avez donné des chrétiens à manger aux cochons? Ils en mangent bien, eux. Tenez, mon père. Un bon morceau de cochon. Non! Mais pourtant, ces messieurs dames l'ont trouvé très à leur goût. Mais il faut dire que nos bêtes, on les chouchoute. Croyez-moi, mes frères, il faut partir. Fumier de curé, nous les enlève. Ah! À la vache! On va tout barricader. Réveillez-vous! Saloperie d'Aristo. Entrez! Arrête! Je me rends pas bien compte de l'effet que je fais aux hommes. Oh. Non plus. Qu'est-ce qui t'a pris? Je vais me mettre un petit coup de casserole pour me massacrer. Seigneur, donnez-moi la force de tenir le secret de la confession. C'est un gras, l'hôtellerie. On se met en quatre pour les clients, et le résultat, ils s'en foutent.